Quoi de mieux que de passer la soirée à regarder du football? Un sport adoré par des millions de gens à travers le monde. Bienvenue dans cette UFL. Nous sommes en direct d'Amérique du Nord et voici l'Emerald Stadium, un stade flambant neuf. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Le décor est planté, il n'y a aucune raison que les joueurs ne soient pas à l'aise sur ce terrain. Et le match commence! Il se projette vers l'avant. Il a des coéquipiers démarqués. Le ballon continue de circuler près de la surface adverse. On cherche à y pénétrer, mais sans succès pour l'instant. Et il a finalement perdu le ballon. Des joueurs sont disponibles. Rossellou. Il choisit de frapper. Les locaux vont plier ce match. Le ballon trouve l'avant-centre. Non, personne n'a cru à cette feinte. Parejo. Il y a un coéquipier libre devant lui. Rossellou. La défense est dans une situation compliquée. Elle est complètement sevrée de ballon. Le ralenti va tout éclairer. Aucun doute, il était bien hors jeu. Carvajal. Cristiano. Excellent soutien de la part de ses coéquipiers. Unai Lopez, Marco Asensio. Ça pourrait devenir dangereux. C'est intercepté, belle intervention du gardien. Cristiano Ronaldo. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Il décide d'aller de l'avant. Il laisse le ballon sortir du terrain. Touche à suivre pour les visiteurs. Un moment délicat à gérer pour les adversaires. Ils sont privés de ballon. Et la balle va à gauche. Encore l'occasion de faire la passe là. Et il lui remet immédiatement. Dani Carvajal. Isco. Ils se rendent disponibles. C'est un football dynamique. Cristiano. Superbe de la part du gardien, n'est-ce pas? Corner à suivre. Ballon perdu, tant pis, une prochaine fois peut-être. Ce sont les attaquants qui ont la mainmise sur le jeu. Ils mettent une pression de tous les instants. Asensio. Le ballon est proche du côté gauche du terrain. Il faut frapper fort. Et il va frapper. Une superbe occasion de marquer, mais c'est raté. L'arrière central gauche dans sa zone avec le ballon. Federico Valverde. Il a du soutien, c'est bien. Excellente intervention du gardien. Tout est sous contrôle.
Ah non, trop pas précis. Il perd le ballon. Il a bien lu la trajectoire. Le ballon est intercepté. Non, ils ont perdu le ballon. Le ballon est intercepté par le gardien. Bien joué. 3 minutes de temps additionnel. Il cherche une possibilité de passe. Il la sort. Superbe. Non, il a parfaitement lu la trajectoire de ce tir. Rossellou. Essaye d'en mettre un peu plus la prochaine fois, mon garçon. Tu n'as même pas inquiété le gardien. Les 45 premières minutes du match s'achèvent et les locaux ont pris l'avantage. Ils n'ont qu'un but d'avance. Il n'y a donc aucune raison de se relâcher. Isco. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Sauvetage du gardien, le ballon sort en corner. Ah, il a buté sur le gardien, mais ce sera un corner à suivre. C'est déjà bien. Il décide de jouer court sur ce corner. Le ballon va au gardien. Dani Parejo. Lucas Vázquez. Marco Asensio. Lopez. Va-t-il la passer ou y aller tout seul? Rossellou. Une passe diagonale parfaitement réalisée. D'égalité un partout au tableau d'affichage et le ballon est déposé dans le rond central. Et il lui remet le ballon. Bien joué de la part de leurs adversaires. Ils essayent de construire dans l'axe. Bien joué de la part du gardien et c'est un corner. Revoyons ça. Pendant que les visiteurs se mettent en place pour défendre ce corner. Il tente un centre. Le ballon est centré, mais le gardien dégage. Parejo. Isco. Non, son dribble ne passe pas. Il a l'embarras du choix pour faire la passe. L'attaquant gauche, ballon toujours dans la zone axiale. Quelle parade du gardien, il s'interpose face au danger.
impressionnante cette combinaison, vraiment. Ah non, trop imprécis. Ils perdent le ballon. Une offensive bien menée, avec de nombreuses possibilités de passe. La passe maintenant, peut-être. Il intercepte le ballon. Le danger s'éloigne. C'est un 1-2. Et il poursuit son action. Les appels de ses coéquipiers sont bons. Sautage du gardien et ce sera un corner. Pendant que Loco se prépare à défendre ce corner. Voyons l'action qu'il a provoquée. Nous avons droit à un double changement. Il décide de jouer court. Très belle maîtrise du ballon. Mais il faut maintenant faire une passe tranchante et conclure. L'arbitre ne siffle pas et laisse l'avantage. L'arbitre siffle une faute. Il a eu de la chance que son adversaire n'ait pas été blessé sur ce coup. Le ballon est du côté gauche dans les pieds de l'arrière central. Action qui va se poursuivre dans l'axe. L'adversaire va faire la touche. Ce sont les visiteurs qui vont faire la touche. L'arbitre signale une faute. Merci pour le ralenti. Le ballon a bien touché sa main. Fernandez. Et il lui remet le ballon. Il a une ou deux alternatives pour faire la passe. De Frutos. Il n'a pas l'air pressé de faire la passe. Il laisse le ballon sortir du terrain. Le ballon est sorti, touche à suivre. Une offensive qui va être menée dans l'axe du terrain. Valverde. L'arbitre annonce 3 minutes de plus. Une passe vers l'arrière. Voyons à qui sera destinée la prochaine passe. Rossellou. Ah, une occasion peut-être. C'est l'occasion de se rapprocher du but adverse. Sauvetage du gardien, le ballon sort en corner. Superbement fait de la part du gardien visiteur. Revoyons encore cette parade. Voilà le centre. Les deux équipes ont marqué aujourd'hui, mais cela n'a pas suffi à désigner un vainqueur. Nous quittons ce match sur un score nul de 1 partout. Voilà, on y est. On se...